Code de la parole de vie, World of Life Center, a présenté chaque dimanche, 5h, 6h après-midi, la foi qui fait transporter les montagnes, avec Pasteur Oswald Toussaint. Vous pouvez brancher l'émission ça sur page Facebook World of Life Center. Vous pouvez brancher nous tous sur la chaîne YouTube. WOLC TV One ou bien capter nous sur Radio Oasis 105 FM. La foi qui veut transporter les montagnes pour toute méditation, enseignement par le bon Dieu, prière qui est la foi là-dedans. Va se présenter Seigneur là, soya. Moi levé maintenant en présence sous Seigneur, pour moi adorer sainteté, qu'aime chanter Alléluia. Moi mets à genoux devant majesté, fais-moi joindre faveur devant Dieu, Saint-Esprit descend sous moi. Moi levé maintenant en présence au Seigneur, moi adorer sainteté, qu'aime chanter Alléluia. Moi met à genoux devant majesté, fais moi joindre faveur devant Dieu, Saint-Esprit descend sous moi. Nous nous sommes à l'épice fave, bon Dieu, vous attendez. Levez mes mains. Vous gardez ça, ce qu'on aime pour moi. Pour moi. J'aime chanter Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, mets à genoux devant majesté. Moi, mets à genoux devant. Fais-moi jouer une faveur, fais-moi jouer une faveur, Saint-Esprit, descends sous moi. Dame, dis encore, moi levé même en présence au Seigneur. Moi levé même en présence au Seigneur. Pour moi adorer, Saint-Esprit. J'aime chanter Alléluia. Alléluia. Moi mets ta genou devant majesté. Moi mets à genoux devant majesté. Fais-moi jouer une faveur. Fais-moi jouer une faveur Saint-Esprit, descend sous moi. Yo a qui gagne tout pouvoir. Gloire lui remplit tout terre. La nati coupée devant puissance lui a pas doré. Contrôler l'univers, c'est au à chanter, gloire à chaque moment, lever mes watorés. Yo a qui gagne tout pouvoir, gloire à lui tout terre. La natie coupée devant puissance Yémen, à pas doler. Contrôler l'univers, c'est au à chanter, gloire lui chaque moment, levez mes watorés, moi levé, pour moi adorer, j'aime chanter. Alléluia, moi mets à genoux devant, moi mets à genoux devant. J'ai une faveur, j'ai faveur mon Dieu couvri ou pendant année ça va finir. J'ai faveur mon Dieu couvri projet ou là. J'ai faveur mon Dieu couvri la vie. Moi levé même, moi levé. Moi adoré.
Alléluia. Nous saluons aux auditeurs et auditrices de Radio Oasis et dans le show Parola, que c'est la foi qui fait transporter les montagnes. La foi qui fait transporter les montagnes, c'est le ministère du Centre de la Parole de Vie. Nous situons dans 1216, Jersey Road, Salisbury, Maryland. Et c'est un plaisir pour nous avec vous après-midi, pour nous partager la parole avec vous. Et fait nous gagner un sujet et qui est vraiment intéressant, un sujet qui est attirant, un sujet qui a une bénédiction vous-même. Moi, de vous beaucoup brancher, sous brancher, moi, de et partager le live là avec amis, avec famille. Et parce que je ne veux pas rater un tel enseignement, enseignement de la parole. Et je vais prier le Seigneur avec vous, capable d'ouvrir en émission. Seigneur mon Dieu, nous remercions après-midi. Papa, nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon orange, nous bon remerciement, nous bon action de grâce, Seigneur. Et pour ça, on fait pour nous, Seigneur, pour faire de grandes choses. Et nous sommes dans la joie et grâce au capable avec nous après-midi, Seigneur. Mando va bénir l'émission ça. Et mon captain de Mando, on va bénir, on va aux oreilles pour entendre. Et bien au cœur pour comprendre, Seigneur. Et tout ça qui va dire après-midi va au sujet des bénédictions pour vous-même. Alléluia. Fais ça pour nous, Seigneur, que grâce au capable avec nous. Et tes esprits capable vraiment en loin nous. Pour ça, tout ça que nous va dire en bas onction. Et onction, il va briser tout joug. Onction, il va casser tout temps. Tout fardeau. Merci Seigneur. Fais ça pour nous, Jésus. Je m'aime beaucoup monter, non? Merci Jésus. Je chante toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Que grâce au capable avec nous après-midi, Seigneur. Qui va nous saluer tout le monde après-midi qui est là? Nous avons une liste de monde de prière qui va passer, nous capable prier pour vous. Après l'homme après-midi. Je remercie tout le monde. Et qui supporte l'émission ça, et bien qui m'a beaucoup aimé, et qui supporte l'émission ça, et l'histoire est vraiment longue. Il y a Surette Belflair, il y a Guilande George, il y a Marie-Suse Pierre, moi il y a Marie-Suse Pierre, moi il y a Angéline DF, moi il y a Muriel Lecomte, qui a souffert avec cancer, moi il y a Cinéris Marie-Mat. Et la famille de Sinéis Marimal, gen Yomeris Acevedo, famille Yomeris Acevedo, gen Betty Valesco Lambert, Betty Valesco Lambert, Betty Valesco Lambert, gen Duvel Saint et William, gen Alexis Luna, gen Angeline Séance, gen Mboul Vantli, gen Cluny Coulange, Céline Fèvre Saint-Il, Micheline Demosten, Santé, Marie-Ange Jean, Conis Télémac, Ismaël Sheila Duclona, Sonis Guerrier, Asimène Dina Kerva, Meilleurs Gracieux Christie Vergile. Et alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Et grâce au capable avec nous après-midi, à Seigneur. Papa, nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon remerciement. Seigneur, pour moi adorer, qu'aime chanter alléluia. Amen. Moi mets ta genou devant majesté. Seigneur, fais-moi joindre. Cet esprit de sang, viens toucher la soya. Bon, si vous voulez, nous, mesdames, mettez des moules capis à moins lever même la présence ou moins lever. Point adoré. Qu'aime chanter. Alléluia. On
mettre à genoux devant majesté, oui, mais moi, mais. Fais-moi une jeune faveur, papa. Amen. Alléluia. Oh. Dis encore. Moi, levé même dans la présence du Seigneur. Moi, levé. Pour moi, adorer. Qu'aime chanter. Amen. Moi, mettre à genoux devant majesté. Moi, mettre. Fais-moi une jeune faveur. Saint-Esprit descend. Moi, levé même. Moi, levé même non. Moi, adoré. Moi, adoré. Qu'aime chanter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Papa, nous glorifions. Nous vous gloire Seigneur. Nous vous remerciement. Et nous vous actions de grâce. Laissez-nous bah, l'opportunité. Nous sommes brancher sur les zones de la radio Oasis. Et sur les zones de Facebook, sur les zones de YouTube. Et pour nous capables en saluer ou dans nos Seigneur. Et ma prévue mission ça pour mon Dieu capable de bénir mission ça. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. Tiens, bon Dieu, nous venons devant après-midi encore pour l'émission ça devant. Nous sommes capables de bénir l'émission avec présence. Et parole que nous allons partager avec mon capitaine de nous sur Radio Oasis, sur les zones de YouTube, sur les zones de Facebook. Nous sommes capables de bénir le Seigneur. Nous sommes capables de bénir quelques monde que nous allons reconnaître après-midi. Et pour de prier et pour mon saillot et pour prier prier pour vous. Et si jamais il y a un monde qui partage, il faut faire un monde qui est capable de prier pour vous. Et nous avons la sœur Sérette Belfleur, qui est capable de bénir, sœur Sérette, et Yolande Joseph, qui est capable de bénir, après-midi ça. Et nous avons la sœur Angéline D.F., Muriel Lecomte, a souffert avec cancer. Nous allons prier pour la famille Sinéus Marie-Marthe, Yoméris Acevedo, Betty Valesco Lambert, qui est malade en pile, Yvel Saint-William, Alexis Luna, Angéline Séance, qui a un boule dans le ventre, Clini Coulange, Céline Fif Saint-Il, Cherline de Moustène, Marie-Ange-Jean, Sionise Télémaque, Ismaël Chahel du Cléna, Sionise Guerrier, Assemine Dina Kerva, Néan Gracieuse Christy Virgile. Alléluia. Je vais partager la parole avec vous après-midi. Et après ça, je vais prier pour Mounsaï. Si jamais vous avez en contact avec nous, et pas oublier de contacter nous dans 443-7423-0554. C'est chaud pour là, la foi qui peut être transportée dans la montagne. Merci pour tout ça. Vous avez supporté l'émission ça, vous avez sur les zones de la radio Oasis. Même qui beaucoup supporter nous. Vous pouvez nous inviter, vous capable même tout, qui bénéficier du ministère ça. Vous pouvez demander le Seigneur comment vous pouvez supporter l'émission ça. Et ouvrez bien avec moi après-midi. C'est dans Proverbe chapitre 4. C'est là que je partage avec l'église matin. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. C'est là que je partage avec l'église. Avec l'église matin. C'est là que je Paul et Salomon qui écrit par ça. Et avec nous aujourd'hui. Mais ça, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour tout leur corps. Gardez votre cœur plus que toutes choses. Car de lui viennent les sources de la vie. Viennent les soucis de la vie. C'est sa parole, ça. Mais vraiment, c'est nécessairement le mot que nous capables d'essayer de Mounsayo, capable de comprendre la nécessité de la parole là. Nécessité de la parole là, parce que la parole est un effet capital dans la vie. Si nous prions la parole a un effet dans la vie Mounsayo. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui font face avec pas mal de problèmes. Même Dieu après-midi, la parole de Dieu, il y a une force là-dedans, il y a une puissance là-dedans pour délivrer. Pour délivrer. Il y a une puissance pour délivrer. Il fait, c'est un monde qui est capable de toucher les gens qui sont dans l'homme là. Les gens qui sont dans l'île là. Si vous connaissez qui a traversé, que parole, mon Dieu, capable de déposer une délivrance dans la vie, que parole capable de guérison avec maladie, que parole capable de salut à la vie, que parole capable de délivrer de ce qui a traversé, que parole capable de produire la paix pour le Seigneur, qui a une tête chargée, qui a marié à un problème, il va connaître qui ça pour faire, Seigneur. Mon Dieu me demande, dis un mot pour mon Dieu. Dis un mot pour le Seigneur. Parce que leur parler, l'éternité envahit. Leur parler, Seigneur, oh, il y a un gros merveille qui fait.
Alors qu'ils sont dans la bouche, ils ont force, ils ont puissance toujours. Mando va bénir tout le monde qui est dans l'Église, Seigneur. Et nous demandons toute grâce au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Et sujet nous que nous avons traité avec vous après-midi, c'est une nouvelle identité en Christ. Une nouvelle identité en Christ. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16 à 17. A new identity in Christ. Une nouvelle identité en Christ. A new identity in Christ. Oh, mais ça le dit. Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Or, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle identité en Christ. Si nous parlons de une nouvelle identité, c'est que nous avons une ancienne identité. Moi, avec vous, nous sommes identifiés par notre premier parent, Adam. Notre première identité, on prend l'affaire avec péché. Notre ancienne identité, il y a affaire avec destruction, il y a affaire avec condamnation. Notre ancienne identité, il y a affaire avec on nous paraît ici, il y a affaire avec et manque de dignité, il y a affaire et que pas gain valeur. Ça c'est ancienne identité. Avec dit moi ton pécheur. Un pécheur qui vraiment est dirigé vers l'enfer. Un pécheur qui est destiné vers l'enfer. La Bible dit qu'on s'accorde le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est ancienne identité. Chacun de nous, comprend c'est comme ça que nous devons. La Bible dit qu'on s'accorde, c'est par un seul homme, la condamnation arrivée dans le monde. La mort arrive sur tout le monde. Mais par l'obéissance des seuls, nous tous, nous devenons justes. Qui fait, non, Adam, nous avons une ancienne identité. Dès que, identité, comment la vie m'était définie? Comprends? En tant qu'un haïtien, lorsque il a défini nous comme haïtien, il a dit comme ça, ou une définition vaudouisante. Ou qu'on définition magie, ou qu'on définition démoniaque, ou qu'on définition diable en balamè, ou qu'on définition diable dans rivière, diable dans pied bois. C'est ça qui définit. Comprends? Ça c'est ancienne identité. Mais le Seigneur fait me connaître après-midi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avec dit son autre monde. Avec dit le Seigneur, c'est lui-même, c'est Christ qui décrit moi. Je suis défini par Christ. Il m'a donné une nouvelle identité. Je ne suis pas défini par la vie passée. Je ne suis pas défini par côté de sorti. Je ne suis pas défini dans qui famille me sorti. Je ne suis pas défini dans qui famille me sorti. Maman me battait. Ma tante me battait. Tonton m'attendait, puisque tout le monde ne savait pas rien, donc en conclusion, je ne pas rien. Et mon qui dit dans le côté me sorti, pas rien bon qui sorti là-dedans. Grand ne pas te marier, ma tante ne pas te marier, maman ne pas marier, peut-être ça, et moi-même pas te marier. Ça, c'est une ancienne identité, ou condamné. Alors que le Seigneur lui-même, il change l'identité. Il dit là, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature sur l'autre monde. Un verset qui dit, et ça m'y est, j'en de monde qui m'y est, pas qu'on j'en existait avant. Tout neuf. Je dis tout neuf dans la manufacture. Tout neuf. On prend moins incomparable, pas comparé à personne. On prend, on connaît, mon petit Dieu en prêtio. On prend, pas gain deux empreintes, on prend
qui identique. Pas gen empreinte qui identique. Yo pas identique. Comprendre, et ça fait là on prend empreinte tout. Comprendre pas gen personne qui capable copier empreinte tout. Comprendre, pas gen personne qui capable dire que ça c'est empreinte pam. Chaque monde gen empreinte yo. La minorité. Chaque monde gen empreinte yo. Chaque monde gen empreinte yo. Comme ça, c'est en Christ là où c'est une identité qui est unique. Unique ou pas pareil. Mon qui semble avec vous. Donc ça parce que c'est Christ qui fait de vous même soyez après-midi. Mais cependant, pour la Christ. Là, m'a parlé pour la Christ. On peut pas parler de religion. Je dis à mon yo confondre la religion avec être en Christ. La m'a parlé de baptiste, m'a parlé de pentecôtiste, m'a parlé de nazaréen, m'a parlé ou gen une nouvelle identité en Christ. Il dit les choses anciennes sont passées. Qui bagay ancienne qui passé? Condamnation yo. Qui bagay ancienne qui passé? Vie et péché yo. Qui bagay ancienne qui passé? La vie passée yo. Qui bagay ancienne qui passé, tout ça me devons faire longtemps yo. Jean de vie me devons faire longtemps yo. Donc vous êtes dans Christ, vous êtes dans Christ, me devons notre vie. Et ça me devons comprendre. La vie ou de nouveau, ou on notre vie, comprendre. Et ou on notre vie, vie ou tout neuf. On nous garde dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, que l'apôtre Paul l'a parlé encore. Et qui s'accueille avec moun qui n'a Christ là? Moun qui n'a Christ là. Romains chapitre 8, mais ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pas de condamnation. Nous sommes condamnés dans le péché, condamnés en bas Adam. Mais du fait que nous n'avons Christ, pas de condamnation. Oh, pas de condamnation, je ne suis pas condamné encore. Mais méchant, ça qui dit, Christ pas vient pour condamner. Il te prend patience avec moi. Jusqu'au jour, m'obliger à la lumière. C'est les hommes qui condamnent. Mais Christ pas condamné. Il n'est pas vient pour condamner. Il prend patience avec vous. J'ai l'homme manque patience. L'homme pas jamais oublié son défait. Et surtout, si jamais vous te commettez une erreur depuis l'autre de petit, et comme si erreur ça, on va lire dans le record. On va lire comme si il a cherché plus haut, et qui ça côté fait, alors que dans Jésus-Christ, nous n'avons aucun record. Nous n'avons aucun record pour rejoindre. Et comme si lorsque vous faites dans Christ là, c'est comme si vous êtes un petit bébé qui n'a pas une vie passée. Vie passée n'a pas existé. On a parlé matin dans l'église Milford. Côté, m'a parlé de la justification. La justification. La Bible dit comme ça, étant donc justifié par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la justification veut dire? Justification, c'est la déclaration d'être juste. Mais ça qui passe, lorsqu'on nous justifie, c'est que vous paraît devant juge là dit vous coupable. Et tout péché à l'entête. Et soit défait à l'entête. Culpabilité à tout le corps. Vous comprenez? Et vous n'avez pas de façon de vous défendre tête. Vous avez assez d'évidence contre tout. Peut-être ça c'est dans une condamnation pour aller. C'est dans la prison pour vous mettre. Ce soir, vous condamnez à mort. Parce que vous êtes péché ou faites crime dans le vrai. Après ça, finalement, le monde paraît. Il dit, oui, monsieur, ou madame, non, il fait crime dans le vrai, oui, mais ma propre place. Il n'a pas besoin de mourir. Il va besoin à la condamnation. Ma prend place li. Ma prend punition pour li. Ou m'a voué l'aller libre. Ça veut dire, puisque vous voyez m'aller libre, moi justifié. Vous comprenez? Il y aura moins juste.
yo rend moi sa crime, yo rend moi pas de faire qui mal, mal la camre libre. Après ça, j'ai mon nom li prend place men. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça le fait pour nous, oui, avec li prend tout péché nous yo. Li prend toute faute nous yo. Li prend toute culpabilité nous yo. Li prend toute condamnation nous yo. On s'en va besoin prend yo. C'est ça que la dit comme ça. Hein? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pas de condamnation pour vous. Et Satan, il n'y a pas jamais oublié, il dit qu'il après appeler au soit fait ailleurs. Il dit qu'il après appeler au soit fait 2 ans de cela. Il dit qu'il après appeler au soit fait 3 ans de cela. Il après appeler au soit fait 20 ans de cela. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pas de condamnation pour le monde qui est dans Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle dans Christ après-midi? M'badou dans protestant, non? Je dis, est-ce qu'on parle dans Christ? M'badou dans Nazaré, non? M'dou, est-ce qu'on parle dans Christ? M'badou, est-ce qu'on dans méthodiste, non? M'dou, est-ce qu'on parle dans Christ? M'badou, est-ce qu'on est dans l'église sans parole de vie, non? M'dou, est-ce qu'on parle dans Christ? M'badou, est-ce qu'on n'a pas de cotis, non? M'dou, est-ce qu'on parle dans Christ? Ça veut dire, pas de condamnation pour le monde qui est dans Christ là. Pas de grand Seigneur passé, mais il y a toute bagaille. Toute bagaille est devenue nouvelle. Mais quand il y a quelqu'un qui est dans Christ là, qui privilège que quelqu'un s'est rejoint? Oh, what kind of privilege? The one who is in Christ. What kind of privilege that he or she has? Qui privilège qu'elle gagne? Mieux content qu'on commande moi. Non, Jean chapitre 1, verset 11-12, on nous a qui ça le dit. Qui privilège? Qui privilège que nous jouons lorsque nous sommes dans Christ? Jean chapitre 1, le verset 11 avec le verset 12, mais ça le dit. Elle est venue chez les siens, que les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, laquelle sonne. Ça veut dire, mais ça qui passe là, oui. Dis-moi ça, Jésus-Christ est venu pour le monde palio, mais le monde palio pas recevoir. Il est venu pour les juifs, mais les juifs ne pas recevoir. Les juifs ont fait peu de cas de lui. Mais il dit, mais à tous ceux, avec tout le monde qui recevoir. Tout le monde qui recevoir Jésus. Tout le monde qui recevoir la parole fait chair. Tout le monde qui recevoir lui, le monde qui croit dans l'homme, il s'en fait. Il a le pouvoir, il a le droit, il a l'opportunité pour devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est petit, mon Dieu. Oh, vous avez un privilège là, on prend, et vous êtes non seulement vous justifié, non seulement vous n'avez pas de condamnation, mais vous êtes petit, mon Dieu. On prend, ou pas n'importe qui, vous êtes petit, mon Dieu. Mon Dieu, c'est papa. Mon Dieu, il y a un juge pour l'autre monde. On prend, mais vous prenez à vous-même, il c'est papa. Mon Dieu, il est capable de monde qui est bon avec l'autre monde. Mais quand vous même qui est dans Christ, il ne sait pas parler. Quelle différence qui est entre un enfant de Dieu et une créature? Mon Dieu crée tout le bagage. Il crée les arts. Il crée les pierres. Il crée les rochers. Il crée la mer. Il crée tout le bagage. C'est créature. Mais vous n'êtes là, et pour capable sortir de l'état créature, vous comprenez? Pour capable devenir à l'état du Fils de Dieu, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. L'enfer, ça, vous n'êtes là, vous devenez petit, mon Dieu. Avec les gens qui recevoir, les gens qui croient dans lui, les gens qui ont le pouvoir pour devenir petit, mon Dieu. Dieu, le monde, où c'est petit, mon Dieu. Ou pas on reste avec, ou c'est petit, mon Dieu. Ou pas on gère en lac, ou c'est petit, mon Dieu. Ou pas choual Satan, ou c'est petit, mon Dieu. Ou pas on mendiant, ou c'est petit, mon Dieu. Alléluia. Oh, mon Dieu, pas on ça, ou c'est petit, mon Dieu. Petit, mon Dieu. La Bible dit comme ça. Et si ou même, même avec vous, qui c'est un parent soucieux, un parent qui soucie, un parent, on prend, qui remet petit, qui remet famille, il ne peut pas quitter famille,
sans pas prendre soin. Il pas quitter Timounio sans pas occuper. Il va faire ça parce qu'ils sont bons papas, ils sont bons parents. Mais c'est nous-mêmes, on prend et la chair que nous y est, humain que nous y est. Nous connaissons comment on va prendre soin petit nous. Tu demandes nous un pain, nous pas balle un wash. Tu demandes nous un poisson, nous pas balle un couleuvre. Tu demandes nous un jeu, nous pas balle un scorpion. C'est nous-mêmes qui c'est papa naturel. Nous connaissons comment on va prendre soin de petit nous, à plus forte raison que mon Dieu qui c'est papa, la prend soin de vous-même. La prend soin de vous-même. Mon Dieu qui c'est papa, là, nous la prend soin de vous-même. Avec n'importe ça qu'on a besoin, la prend soin. On prend la pouvoir à vos besoins. Moi, méchant, ça qui dit, elle a pourvu, il a pourvu chaque jour à nos besoins. On prend les pouvoirs avec besoin nous chaque jour. Comprendre, grande fidélité, il a pourvu chaque jour à nos besoins. On nous regarde dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, oubliez, non? Et sujet de l'après-midi, c'est une nouvelle condamnation en Christ. So, our subject this afternoon is a new identity in Christ. A new identity in Christ. Mon autre identité. Je définis par un autre Jean. On prend l'identité ancienne, nous l'avons passé. Jean la vie, dès qu'on définit, je ne pas définir comme ça encore. Mais c'est passé seulement. Et je te connais, mais qu'on y a passé mieux aller. Toutes bagages devenues nouvelles. Moi, c'est un monde nouveau. Romains chapitre 5, le verset 1er à 2. Romains chapitre 5, le verset 1er à 2. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, moi, avec vous, de recevoir la justification, vous devez recevoir par la foi. Nous recevons par la foi, après ça, nous avons la paix avec Christ. Le mot la paix ici, c'est la réconciliation. Il fut un temps que mon Dieu était ennemi nous. Il fit un temps avec nous, nous étions dos à dos avec mon Dieu. Mais à cause, nous justifions par la foi, nous y a mon Dieu, nous sommes nous. On prend une réconciliation, on prend qui établit entre moi avec vous. Qui fait, mon Dieu pas fâché avec moi encore. Mon Dieu pas fâché avec vous encore. Dans ce testament, pas de relation entre mon Dieu avec le peuple là. Le peuple là t'a couru pour mon Dieu. Le peuple là t'a peur mon Dieu. Je t'ai été loin, mon Dieu. Je n'ai pas de caprès face, mon Dieu. Alléluia. Je t'ai couru loin. Mais dans le Nouveau Testament, on prend, nous sommes capables d'approcher avec assurance devant toi une grâce là. Nous sommes capables d'approcher de Dieu à n'importe quel moment donné. On nous regarde dans Hébreux, chapitre 4. Je vais tourner dans Romains, chapitre 5. Et pendant que je vais dire ça, je vais le dire. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, en nous, il y a un privilège. Je vais tourner dans Romains chapitre 5 là, parce que je vais et un privilège, différence qui gagne entre moi-même avec les saints de l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament n'est pas capable d'approcher de Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, on prend auteur hébreu, mais ça le dit. Il dit comme ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il dit, on nous approche avec assurance. Approchez avec assurance. Approchez avec ténacité. Approchez avec liberté. Devant toi, une grâce là, nous capables de recevoir miséricorde. Nous capables de recevoir grâce dans le moment besoin. Ça veut dire, pas une grâce là, ouvrez pour moi. Parce que il fit un temps, on ne peut pas approcher devant mon Dieu. Mais qu'on y a porte là ouvrir. La Bible dit comme ça, le Seigneur a créé une nouvelle façon, un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, c'est Jésus. Alléluia. Oh, c'est Jésus.
Ou bien m'a pas rentrer par la loi, m'a pas rentrer par les œuvres, m'a pas rentrer par les activités cérémonielles, m'a pas rentrer. Mais qu'on est là, hein, le Seigneur a frayé une nouvelle route, le Seigneur a frayé un nouveau chemin par lequel m'a capable rentrer tout droit à n'importe quel moment donné. M'a pas rentrer à minuit, m'a pas rentrer à midi. M'a pas rentrer à 10h, m'a pas rentrer avec n'importe quel moment donné. Alors que dans, dans l'Ancien Testament, le Testament, une fois par année, que le souverain sacrificateur te gagne accès pour te rentrer devant le détresseur. Mais le Seigneur, depuis, il voit le temple là. Lorsque Jésus-Christ te dit, il est à tout être accompli, il est fini. Voit le temple là déchiré, du haut en bas. Ça veut dire qu'on y a la porte là, le lieu, la route, dans le lieu très serré, ouvert. Alléluia. Par Jésus-Christ, nous avons entré n'importe là. Entrer n'importe là, ça c'est privilège. Privilège, privilège. On retourne dans Romains chapitre 5 encore. On va parler quand même parler. L'idée étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Le mot la paix encore nous c'est la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Christ. Réconciliés avec Dieu. Bon Dieu pas ennemi nous encore. Bon, et bon Dieu pas fâché avec nous encore. Nous avons la réconciliation avec lui. Et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 2, il dit vous ça, à qui nous avons eu par la foi accès. S'il y a accès, nous avons eu par la foi accès à cette grâce. Là, on va poser avec mot accès dédié à entrée. Et par la foi, nous avons obtenu l'entrée dans cette grâce. Nous avons accès à la grâce là. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la place. C'est place de provision de Dieu. Qu'est-ce que grâce là? C'est la place de protection de Dieu. Qui sa grâce là est? C'est la place de la préservation. C'est la place de la paix. Oh, c'est là que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. La grâce là. Tout ça me besoin dans grâce là. Moi j'ai mariage dans grâce là. Moi j'ai protection dans grâce là. Marie dans la grâce là. Madame Mayan, il est dans grâce là. Travail Mayan, il est dans grâce là. Provision, non, il est dans grâce là. Porte ouvrir, non, il est dans grâce là. Déplacer montagne, Mayan, il est dans grâce là. Protection, il est dans grâce là. Je n'ai pas besoin de mouchoir rouge dans la poche pour me protéger. Je n'ai pas besoin de mettre un chêne dans la cour pour me protéger. Protection, non, il est dans grâce là. Tout ça que j'ai besoin, il est dans grâce là. Il ne fait pas besoin de nous. Comprenez, chant du monde, je marié dans la grâce là. Je fais petit dans la grâce là. Je grandis dans la grâce là. Je développe dans la grâce là. Je guéris dans la grâce là. Je vois si je l'école dans la grâce là. Oh, je finis étudier dans la grâce là. Tout ça me fait dans la grâce là. Parce que dans la grâce là, bon Dieu, pouvoir à tous mes besoins. Comprenez, retourne dans la grâce là. Mais la plupart du temps, nous sortis. Nous sommes à friter dehors. Oh, bon Dieu, promette mon bagage, bon Dieu. Moi, t'es 2 ans, 3 ans, on va m'en prendre, bon, on va prendre de l'autre côté. Bon Dieu, ou t'es promette moi, tu vas me marier, moi. Puisque passé 2 ans, 3 ans, moi, ou beaucoup, moi, mon nom, je vais le prendre moi-même. Et la plupart du temps, nous sommes en opération dans le gorge. On ne connaît pas qui ça pour faire. Dites-vous non, bon gongon, on prend la force crier le jour la nuit. Ou pas gagner la paix dans l'esprit. Ou, parce que c'est ou pas et maintenant grâce là dans le prendre. C'est maintenant grâce là le ou pas jouer dans grâce là ou dans le prendre pour compte. On prend qui fait tout ça qu'on besoin. Soyez si que bon Dieu vous est pour dans grâce là. Ou pas besoin de prendre dehors. On prend tout ça que nous besoin de dans grâce là. Il a grâce, bon Dieu. Est-ce qu'on a besoin de protection? Il a grâce là. Est-ce qu'on a besoin de promotion? Il a grâce là. Est-ce qu'on a besoin de préservation? Il a grâce là. Ou besoin de délivrance? Il a grâce là. Ou besoin de miracle? Il a grâce là. Tout ça qu'on a besoin, il a grâce là. Il fait comme ça, vous faire être dans grâce là, vous savez? Dieu, mon soeur, mon frère, vous êtes dans grâce là. Dieu, vous êtes dans grâce là.
Et pas quitter mon apprenti à tout. Et dans grâce là. Ou bien, jeune fille, bon Dieu, pour mettre la maille. Après ça, il commence à 30 ans. Il y a 35 ans, il y a 36 ans, où il a commencé à inquiéter, l'autre m'a dit, moi j'ai fait dégager, oui, pour battre pied, oui, parce qu'on peut aller à monter sous, on prend, tu vas essayer pour un nègre là, on prend tout si ça mourir dans non, oui, qui va obtenir des mounions pour aller là où aller, ou pour un pont gongon, ou aller, ou pour un monde que mon Dieu pas choisi pour vous, après ça, lorsqu'on finit, ou à crier tout le temps, ou pas gagner la paix tout le temps, la bonne menti, la prendre l'autre femme sur ou, on prend la maltraiter, la pas biser, ou prendre la quoi ça, et pas bon Dieu te baoule, et pas dans la grâce ou te joindre, c'est où t'as le train pour qu'on tout. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, une nouvelle identité en Christ, ici nous avons, et à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Pour capable vraiment jouer soit besoin, il faut demeurer ferme dans la grâce. Là. Vous comprenez? Il ne faut pas être tendance pour sortir dehors. Rester ferme dans la grâce. Là. Et pas quitter problème. Vous comprenez? Mettre dehors dans la grâce. Là. Pas quitter persécution, mettez dehors dans la grâce. Pas quitter tentation, mettez dehors dans la grâce. Rete ferme dans la grâce. C'est moi qui était ferme dans la grâce là. C'est moi qui a bénéficié de grâce là. Vous n'avez pas de grâce là encore. Vous n'avez pas de grâce là. Avec un pâturage. Berger a un bon pâturage. Côté, c'est là, il nourrit et tout pour. C'est là tout pour à boire. C'est là tout pour à manger. C'est là lui protéger tout pour à contre bête sauvage. Lui protéger tout pour à contre lion. Lui protéger. Amen. Mais pour tout bagage ça y arrive bien pour tout pour à faut tout pour être en grâce là, en dans grâce là. À partir du moment qu'elle sortit, il est donc victime, il est sans protection parce qu'elle quitte la limite grâce là. Parce que bon Dieu lui-même, il décide de tout ça que là bas où, faut pas où dans la grâce là. On dans la grâce là pour vous. Ça veut dire que si vous êtes dehors, pas qu'à protéger vous. Maria, c'est pas dans la grâce là. Délivrance là pour vous. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu à deux mains. Servi bon Dieu à délider. On prend dimanche, il y a servi le Seigneur. Mais la semaine, il y a servi l'autre monde. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir mon Dieu avec maman. Même avec maman. Vous ne pouvez pas servir les mains. Vous ne pouvez pas clocher des deux côtés. C'est ça, c'est ça. Et l'idée du peuple là. Il dit que vous ne pouvez pas clocher des deux côtés. Vous ne pouvez pas pencher sous Baal après ça. Vous ne pouvez pas pencher sous mon Dieu. Non. Et si Baal, c'est mon Dieu, servi Baal. Si bon Dieu, c'est bon Dieu, servi bon Dieu. Je te dis, là aussi, regardez, suspendre, make up your mind, décider qui est ce monde que vous voulez servir. Mais quand moi-même, avec calme, je vais servir l'éternel. Ça veut dire, vous devez décider, vous prenez qui ça que vous voulez faire, je dis comme ça, le monde derrière d'homme, la croix devant Dieu, je ne vais pas tourner. On prend, avait dit pour vous devez servir le Seigneur avec conviction. Alléluia, nous allons continuer. Après, ça va retourner encore. Merci Jésus. Alléluia, nous allons continuer. Et nous allons retourner encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.
Merci, merci pour tout ça qui est passé ensemble. Nous sommes capables de arriver à la conclusion. Nous regardons dans Romains chapitre 8. Abliez-nous, on a piété avec vous une nouvelle identité en Christ. On a notre identité. Pas même monde encore. Nous sommes notre monde. Nous sommes un nouveau. Ancienne identité dans le passé. On a tout ça. Tout ça, nous avons Christ. Nous avons des nouvelles. Nous avons notre définition en Christ.
On nous regarde dans Romains chapitre 8, le verset 12, la privé dans verset 16 là. Mais la privé dans verset 17 là, verset 17. Il dit ainsi donc, frère, nous ne sommes pas redevables à la chair. À ce monde, et monde ça qui en Christ la vie. Avec dit, pas de la chair en rien. Je ne pas de la chair en rien pour vivre selon la chair. Parce que nous sommes en Christ. I am no longer in the flesh. I do not owe the flesh anything to live according to the flesh. I do not owe the flesh anything to live according to the flesh. Je ne vais pas la chair en rien. Vous vivez selon la chair, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. If you are living according to the flesh, you shall die. Vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Avec vous-même qui dans Christ là, vous ne pouvez pas continuer à vivre selon la chair. La chair n'est pas capable de continuer à mener non toujours. Parce que vous débarrassez de la chair. L'apôtre Paul dit comme ça. Et je suis crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Mon qui dans Christ là avait dit, il pas vivre selon la chair parce que la vie selon la chair, il produit la mort. La mort veut dire séparation. Plus vous vivez selon la chair, c'est plus séparé de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre, mais séparé de mon Dieu là. Alléluia. Mais vous devez vivre par l'esprit. Parce que si vous vivez par l'esprit, vous allez faire mourir les actions du corps. Vous allez faire mourir les actions de la chair. Si vous vivez par l'esprit, ce n'est pas chair qui mène encore. Vous ne pouvez pas chair sans le besoin encore. J'ai besoin de pile de bagages qui ne peuvent pas plaire avec mon Dieu. Vous renoncez. Avez dit, vous renoncez, vous êtes capable de nourrir chair avec ça qu'elle veut. Parce qu'on a Christ. Décision est dans mon cœur. Il n'y a pas bon Dieu qui a fait le bout. C'est vous-même qui vous faites. Verset 14, il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes petit bon Dieu. Alléluia, non. Vous êtes petit bon Dieu. Longtemps, on est esclave. Quand on dit comme ça, je ne suis pas esclave péché encore. Je ne suis pas esclave la chair encore. Moi, c'est petit bon Dieu. Moi, c'est petit bon Dieu. Si c'est petit bon Dieu, vous devez vivre comme petit bon Dieu. Vous êtes petit toi, ou de vivre comme petit toi. Vous êtes petit, mon Dieu. Après ça, verset 15 dit comme ça. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous pas recevoir un esprit d'esclavage. Un esprit de rester avec. Un esprit de domination. Un esprit pour servir le monde. Mais vous recevez et qui soit recevoir. Mais vous recevez un esprit d'adoption. Ça veut dire qu'on dit adopter dans la famille. Il est adopté par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions Papa chéri. Nous crions Papa, Daddy. Ça veut dire ça fait me sentir que puisque je suis Christ, mon relation étroite qui est établie entre moi avec mon Dieu. Je suis capable de communier avec lui, je suis capable de parler avec lui, je suis capable d'adorer. Je suis capable de louer. Et je suis capable d'entrer en intimité avec lui. On m'a dit c'est papa, moi j'ai l'esprit à rappeler moi. On prend l'esprit à rappeler. Et bien c'est là. Il l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit bon Dieu a rappelé. Pour ces petits bon Dieu. On va esclave encore. Ça t'a fait qu'on est qu'on pas bon. Ça t'a fait qu'on est qu'on son vieux monde. Ça t'a fait qu'on est qu'on fini. Ça t'a fait qu'on est que la vie pas bon. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un destruyable fort qu'on est. Vous êtes petit, mon Dieu. Alléluia. Vous êtes petit, mon Dieu. Mon Dieu, vous êtes petit, Léo. Vous êtes petit, mon Dieu. Après ça dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Ça, mon Dieu, c'est pour vous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça, Christ, c'est pour vous. Et si toutefois nous souffrons avec lui, nous glorifions. Vous serez glorifiés aussi avec lui. Avec ça, ça sont bonnes nouvelles. Vous êtes capable de connaître bien aimé. Ce n'est pas seulement aimer dans le ciel. Ce n'est pas seulement espérance, c'est dans le futur. Qu'on y a même.
ou c'est petit bon Dieu. Kounia même ou c'est héritier de Christ. Kounia même ou c'est héritier de bon Dieu. Ça veut dire, you, eh, tout ça que bon Dieu gagne, c'est pour vous. Comment nous connaissons que bon Dieu gagne pile bagaille? Bon Dieu possède un pile bagaille. Il ne peut pas pas me gagner. Ça me besoin pas pas me gagner. Nécessité non, papa m'gagne. Ta besoin, papa m'gagne. Délivrance là, papa m'gagne. Salut, papa m'gagne. Promotion, papa m'gagne. L'argent, papa m'gagne. Kaila, papa m'gagne. Mais c'est héritier de Christ. Mais c'est héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Pas seulement petit, mon grand privilège. Mais vivre comme monde. Qui a un privilège avec mon Dieu? Pas vivre au-dessous des privilèges. Pas vivre avec quoi monde qui n'a pas d'espoir. Pas vivre comme quoi monde qui n'a pas de connexion. Pas vivre comme monde qui n'a pas connecté avec mon Dieu comme si ou pour qu'on tout dehors. Non, nous avons une bonne connexion. Parce que nous avons une famille, mon Dieu. Et nous présentons Jean-Antan. Moi content, moi bien content. Moi une famille, mon Dieu. Li lave m nan fontaine nan ak san li. Oh mwen eriti ak Jezu nan pèlerinaj mwen. Mwen kontan, mwen bien kontan ke mwen se nan fèt nan fami bon Dje. Se ansèmen sa ke nou gen pou apremidi a. Une nouvèl identité an Kris. Ou menm ke Satan ap akize ou de tan an tan. Ou la pa dan l'esprit pou fò konnen ko pa bon. Ou di ou sa se pa la pèn. Ou pas songer sorte fait hier. Ou pas songer sorte fait avant hier. En effet, comme nous captons de l'après-midi, Satan met en condamnation tout le temps. Parce que dans le jeune âge, comprenez, ou des possibilités, ménage, des fois, j'étais en petite. De temps en temps, Satan condamné pour ça. Satan a un problème pour ça. Ou était toujours dans l'esprit de condamnation. Comprenez, blessé rêve dit, moun ki nan Christ là, pas de condamnation pour lui. Après ça, gon dame kap tandem là, gon mari qui t'a bon problème, li maltraité ou, finalement divorcé avec lui, qu'on y a bon Dieu, bon l'autre mari. Mais jusqu'à présent, Satan, le met au esprit de condamnation, pour le fort qu'on est que bon Dieu, pas pardonné divorce. Gade m'ap dou bien. Mais pas de péché que mon Dieu n'a pas donné. C'est le péché qu'il n'a pas donné. C'est blasphème contre le Saint-Esprit. Que monsieur n'a pas vivre avec vous. Monsieur a un problème. Monsieur a tourmenté. Au lieu pour vivre dans la chair, il tapis bon. Vous capable de vous marier avec lui. Vous vivez dans la paix. Vous vivez bien avec mon Dieu. Dans la sanctification. Pas quitter ennemi. Condamné encore une fois qu'on est que mon Dieu papa donné. Mon Dieu papa donné dit, ça est tradition, ça est qu'il tue monde. Et qu'il tue monde, mon Dieu pardonné. Mon Dieu pour notre vie, mon Dieu restaure la vie. Tradition, fois qu'on est que le papa donné, ça est la fois qu'on est d'être péché, ça, mon Dieu, Christ va mourir pour lui. La Bible dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Après la Bible dit que ça, côté péché a abondé, la grâce a surabondé. A surabondé. Alléluia. On prend, m'le fort contre ça. M'le fort contre ça après-midi. Ok? Qui fait, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour vous, Seigneur. Nous remercions l'esprit de l'opportunité. Pour nous parler, prêcher par ça sur les ondes de la radio Oasis. La zone de Facebook et de YouTube, il y a un monde qui n'a condamnation pour nous là. Mando, fais connaître qu'on pardonne. Pas connaître que grâce suffit. Fais connaître que pas de condamnation pour un monde qui n'a Jésus-Christ. Qui va marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Fais connaître ça après-midi. Fais connaître monde qui n'a Christ là. Ils sont nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, complètement passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mando capable de faire ça pour nous après-midi, ça, mon Dieu. Mando capable de kembe nous, kembe nan grâce. Et que nous espérons que nous parons à ton bénédiction pour nous capter. Nous capables de connaître que c'est petit, bon Dieu. Nous pas dans condamnation. Que c'est héritier, que c'est co-héritier avec Christ. Nous pouvons constater au nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, au siècle des siècles.
Amen et amen. Oui, mais dans ce programme, dans ces choix pour là, c'est la foi qui fait transporter la montagne. Si, émission ça, si message ça, ton bénédiction pour vous, prenez-nous comme ça. Prenez-nous 443 7423 0554. Prenez-nous connaître que vous êtes bénéficiés de émission ça, de message ça. Si vous montez moi avec vous, bye. On prend et vous cabrez-les, nous faisons comme ça. C'est sous besoin de prière. On va relever nous faire nous comme ça. Vous voyez une voix par nous. Vous voyez un texte message par nous. Faites nous comme ça. Et nous ne pas manquer, pas prier pour vous. Alléluia. Que bon Dieu capable bénir nous. Que bon Dieu capable garder cette émission pour aller à la foi qui fait exporter les montagnes. Amen et amen. Merci Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Merci Seigneur.